Salut les amis, voilà, c'est la dernière étape de mon site internet des jeux vidéo des années 80-90. En fait, ça n'a pas été très long pour mettre en place les dernières fonctionnalités. Donc là, comme vous voyez, il est en ligne, c'est marqué jeux vidéo 80-90.free.fr. Le lien sera indiqué dans le texte YouTube qui décrit la vidéo. Donc voilà, alors on a toujours les mêmes fonctionnalités, choisir un éditeur, donc voilà, R informatique, Epix, tout ça. Alors la liste n'est peut-être pas encore exhaustive, hein, mais il y en a déjà un bon paquet de tous les éditeurs célèbres. Donc le type de jeu, hein, comme je l'ai dit lors des deux vidéos précédentes, simulateur de vol, etc. D'ailleurs je peux commencer dès à présent, hein, je fais Pac-Man, je fais valider. Voilà. Bon, par contre, je vais peut-être l'enlever là maintenant. Je fais ça. Voilà. Donc là, ce qu'il y a de nouveau, c'est. Alors là, il y a zéro jeu, évidemment. Ce qu'il y a de nouveau, c'est la pagination du catalogue, en fait. Choisir un type d'animation, comme je l'avais dit auparavant. Hein, voilà. Choisir une machine. Donc en fait, pour l'instant, j'ai complété que les jeux sur la gamme Thomson, TO5, TO6, TO7, TO5, TO16, 70. TO7, TO8 et TO9 et MO6 et MO5. Voilà. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a la liste des jeux qui apparaît comme auparavant, mais on a quelque chose de nouveau. C'est le catalogage du site. Enfin, de la liste. En fait, au départ, j'étais parti sur 100 titres par page, mais je trouve que ça faisait beaucoup. Ça faisait une page qui était trop haute, donc 60, ça fait bien. Ça fait 12 lignes, 12 lignes d'image, donc c'est pas trop mal. Et donc en fait là au niveau du catalogue, il y a un groupe de trois pages qui apparaît là, sachant que si je vais sur deux par exemple, ben, on a la page 2 de la même sélection, c'est toujours Thomson, donc on a bien les 456 jeux. Et là donc quand on est le 2, en fait ce qui apparaît c'est la page d'avant et les deux pages suivantes. Et ce qui apparaît également, mince qu'est-ce que ça? Ce qui apparaît également, c'est la dizaine de pages supérieures si elle existe, ou la dizaine de pages inférieures si elle existe. Et on a également la dernière page et la première page. Si je vais à la dernière page, boum, voilà, j'ai la dernière page des 456 jeux, donc ça doit faire 8 fois 6, 48, 7 fois 6, 42. Donc on a de 420 à 456 là, au niveau du truc. Voilà, on a donc les images qui apparaissent. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc là, si je vais en 0, ça va atterrir en page 0. Donc ça, c'est des conceptions personnelles. Hein. Et donc, ça apparaît, la pagination apparaît en haut et en bas. Et on a évidemment le copyright par moi-même, Albatros Concept. Donc alors, là, c'est que la gamme Thomson. Alors, qu'est-ce que je fais si je vais... alors, je vais choisir 3D Fight, par exemple. Boum. Alors, 3D Fight, on a écrit en haut, fiche du jeu 3D Fight, Thomson. Donc là c'est que pour Thomson. Ce qui apparaît c'est l'image du titre que j'ai choisi parmi les plateformes. Donc là vu que c'est le même jeu pour les trois TO7, MO5, TO8, donc c'est la même image qui apparaît. Mais en fait la plupart du temps j'ai mis qu'une seule image. Par exemple si je vais sur 1789, ouais j'ai mis que MO5, sachant que c'est la même image pour les autres Thomson. Et il apparaît également sur CPC 464, 664, 6128. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, comme vous voyez là, cette fois, on a effectivement les images correspondant pour chaque plateforme. Voilà. Ça, c'est encore une nouveauté par rapport à la dernière fois. Je peux sélectionner uniquement pour les jeux. Enfin bon, comme j'ai vu la dernière fois, on peut sélectionner les jeux qui apparaissent uniquement sur une seule machine. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben voilà, vous avez les images qui apparaissent ici. Avec la description. Bon, le site est relativement complet, hein. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Alors, il y a une petite page blanche qui est laissée exprès pour la publicité qui va apparaître bientôt. Voilà, je pense que le site est très complet. Maintenant, j'ai plus qu'à le remplir, c'est ça le plus long. Sachant que là, j'ai encore pas complété les images de Thomson, comme vous voyez. Si je vais sur page 2, par exemple, vous voyez qu'il y a beaucoup d'images vides. Alors si je vais sur Amstrad, par exemple je vais sur Amstrad, là, boum, je vais valider. Là j'ai 91 jeux, donc il y a 60 plus 31. Donc on voit que les images qui apparaissent c'est toujours la même, forcément, parce que c'est, il y en a
une image par titre et pour chaque titre, on a éventuellement une image également. Voilà. Bon, je peux descendre plus bas pour retourner à notre chose. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, la sélection là, elle garde exactement les mêmes paramètres de filtrage qu'auparavant. Voilà, donc le site internet est en place, là, comme vous le voyez, ça s'appelle jeuxvideo8090.free.fr. Le lien apparaît dans le texte de la vidéo que je vous présente. Voilà, je vous dis à très bientôt pour... j'espère que ce site internet vous plaira. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.